Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cet Event Queens Galore avec limitation de médailles sur l'équipe Blade pour obtenir tous les objectifs. Donc on va commencer sur le débutant avec donc un Dark Side niveau 500. Alors, bien entendu, hein, je me suis mis dans de très bonnes conditions, j'ai envie de dire, pour la réussite. Bon, il faut esquiver tout ce joli petit monde pour arriver jusqu'au boss sans encombre. Ok, ça se passe par là. Allez, hop, on y va. Bon, je pense que tout devrait bien se passer. Mais voilà, on va dire que c'est la petite mise en jambe pour vraiment être fixé sur ce qui nous attend de beau. Voilà, les Event Queens. Ah bon, et même à... D'accord. On peut en choper en... dans les points de collecte. Pourquoi pas. De toute façon, à un moment donné, il faut pouvoir les récupérer quelque part, je pense, hein. Allez, c'est l'intermédiaire avec le boss niveau 1000. Donc ils vont tous être sur le même principe, hein, le combat, donc. Ah. J'y arrive. Voilà, ça se passe par ici. Hop, allez, c'est parti. Bon, je pense que ça devrait pas être la mer à boire pour moi de réussir tout ça. Bon, par contre, vu le nombre de pièces d'event gagnées, bon, autant dire que c'est un petit peu la bérésina quand même, hein. Donc le close-handed captain. Et alors pour le légendaire, est-ce qu'il sera niveau 2000 ou plus? Ah, d'accord, j'ai fait tout le tour pour rien. Voilà, vaut mieux y aller boulot parce que bon, on sait jamais. Ah, 2900 barres de vie, c'est bien. Bon, malheureusement pour lui, il fait pas long feu, mais. Bon, j'espère pour vous que vous avez potentiellement quelque chose de similaire pour vous aider. Puisque du coup, comme vous pouvez le voir, les médailles amies ne sont pas. Ne sont pas prenables. Donc il faut compter sur sur vos propres médailles pour la réussite. Donc après, dans l'idée, vous pouvez très bien vous équiper full médaille pour au moins remplir l'objectif final de terminer en un tour, hein. Et c'est tout. Oui, qu'il y en avait, je refuse qu'il y en avait qui avait un légendaire avec. Oh, la loose. Donc du coup, on va basculer ici. Et puis on va voir ce que ça apporte de faire tous les combats aussi. Hein, tant qu'à faire. Comme ça au moins.
Alors, par là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose par là-haut? Non, il n'y a rien. Sur le bateau, est-ce qu'on a quelque chose là-bas? A priori non plus. Allez, on va aller faire des petits combats du coup. Bon, par dégâts complémentaires, a priori, il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant à récupérer. Ah, un petit coup. Donc, ouais, non, pas de loot. Bon, ok. Pas de petits pots non plus ici, bon, oui, hein. Bon, de toute façon, je vais tous les refaire en faisant tous les ennemis, hein, pour voir si... Bon, ça... A priori, il devrait pas y avoir de gros changements en termes de gains. Et hormis, du coup, les objectifs remplis de base, mais sinon, hormis ça, là, comme différence, je pense qu'il y a pas de... qu'il va pas y avoir grand-chose de plus. Ah si, des coffres qui permettent d'avoir des pièces d'event aussi. D'accord. Donc là, techniquement, vous pouvez fermer les, du coup, ces missions-là pour récupérer les... Voilà, 3-4 pièces d'event qui se courent après. Bon, autant dire que ça sert pas à grand-chose. Hein. On va dire que si vous manque un chouïa de rien du tout pour... pour finaliser, pour récupérer un dernier objet quelque part, ça peut être bien de le faire. Voilà. Sinon, bon, honnêtement, c'est plus que de la perte de temps qu'autre chose après. Hein, surtout vu de tous les loots qu'il y a, de toutes les choses qui sont obtenables dans les différents panneaux avec ces pièces d'event. Quoique là ça peut être intéressant ici vu qu'il y a un gros coffre. C'est peut-être ici que ça vaut le plus le coup. Bon, les points de collecte en eux-mêmes, a priori, bon, il n'y a rien d'intéressant à récupérer, mais. Ouais, c'est ça, c'est. Les boss vous fileront toujours un coffre avec des pièces d'event. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire un petit peu. Donc voilà, là il peut y avoir jusqu'à 10 pièces récupérées. Et sur la toute première. Bon, vu que le monde est contracté, donc ça va, c'est facile, mais... Un petit neuf. C'est gentil d'être venu le petit neuf. Bon, on va voir si ça prend quelque chose de plus ou pas, les petits œufs. Mais...
Et voilà, faut le lire, hein. Comme ça, au moins, vous avez toutes les infos. 5, 3 et 3. Et allez, ces petits œufs, ils peuvent rapporter un peu, un poil plus. Bon, après, il faut tomber dessus, avoir la chance qu'il pop, mais... Mais du coup, au final, en termes de farming sur les missions, c'est pas... C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours ça de prix, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai, moi, de... J'ai quand même des trucs que j'ai finalisés. Enfin, c'est plus grand-chose. Ouais, bon, je vais peut-être faire l'effort, quand même. J'ai à 2, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, donc 75. 310 à récupérer encore, en gros. Ouah, ça va, je peux prendre la peine de finaliser ça par ces missions là. Après je vais pas ouvrir la fronde de le faire maintenant. Et c'est vrai qu'il y a cet event là aussi qu'il faudrait que je fasse. Voilà, avec du coup des restrictions. Donc cible unique, des multi-cibles et les cibles aléatoires. Je préparais gentiment tout ça, bon, sachant clairement que, à mon avis, ici les médailles, les imitations, eux, c'est cible unique, donc ça va passer, hein. Ça va passer sans problème. Voilà. Le multi-cible, pareil. Ça va être, c'est l'inverse de l'unique, du coup, enfin, par rapport à ce que j'ai d'équipé. Bon, par contre, ça sera le random qu'il faudra que je pense. Donc, je pense à faire une petite éveille d'exprès pour. Il y a encore 3 jours, enfin du coup le temps que je vous diffuse il restera un peu moins, donc par rapport au jour où j'enregistre, je le ferai demain. En termes de diffusion, je sais pas si ça sera le lendemain ou un jour ou deux après. Bon, je vais essayer de pas le proposer non plus. Ouais, quoique. Ouais, parce qu'il y a pas mal de... Je sais pas combien c'est le nombre d'event coins à gagner, mais du coup ça me permettrait d'éviter de farmer de l'autre côté, ça serait bien. Ouais, je vais essayer de voir ça. J'ai préparé ça et puis on verra ce qu'il y a dedans, de toute façon. Voilà tout. Donc c'est là-dessus que je reste. Je vous retrouve très vite pour d'autres events de Kingdom Hearts Union Cross. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.